Et yo tout le monde, c'est Limonti, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Void les gars, un nouveau sort qui arrive dans Clash Royale. Vous le voyez à la description, vous avez un chevalier qui se fait one shot. Déjà chevalier qui se fait one shot par un sort à niveau 3, vous comprenez pas trop ce qui se passe. En fait c'est très simple, c'est un sort qui fait des dégâts selon le nombre d'unités à l'intérieur du sort. Si vous avez une unité ça fait énormément de dégâts, si vous avez 2 ou 4 unités ça fait moins de dégâts, et si vous avez plus de 4 unités ça fait vraiment des dégâts ridicules. Vous le voyez un petit peu, vous avez un petit récap des dégâts. Et on va voir ce que ça donne. Vous allez voir, regardez bien la vidéo en entier puisqu'on va découvrir des choses au fur et à mesure avec quoi. Et on va changer d'avis par rapport à la carte. Vous allez voir, franchement super intéressant. Gros GG à Supercell. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Ça a l'air fort mais pas broken. Je vous spoil pas, bon visionnage. Allez du coup les potes, on est parti dans la première game pour tester ce nouveau sort avec Lemonti. Comment vas-tu? Bah ça va très bien, hein. Je suis pas super convaincu pour le moment du sort, on va voir. Bah, on va tester 2-3 decks. On a regardé un petit peu en amont, on a échangé un peu avant pour voir, parce que bah, c'est vrai que c'est une nouvelle carte, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une nouvelle carte, hein, depuis le Phoenix et le Moine, qui avait complètement révolutionné le jeu d'ailleurs. Ah non, le Petit Prince, qu'est-ce que je raconte, le Petit Prince qui est sorti. J'avais complètement zappé le Petit Prince. Surtout nouveau sort quoi, c'est ouais, quand même quelque chose. Ça c'est quand même quelque chose, j'avoue. Ok, on tente peut-être un... Il y a moyen de reset ou... Ah bah il a tapé les squelettes. Ah oui du coup ça a pas de... C'est quoi cette merde? Parce que je voulais expliquer hein, les potes dans l'intro, c'est vrai que du coup le sort, bah plus il y a de troupes dedans, moins il fait de dégâts. Sauf que quand il y a vraiment beaucoup de troupes, il tue même pas un squelette genre, donc c'est vraiment un peu ridicule. Ouais puis on n'a pas cet effet de reset tu vois. Ouais comme le zap ou comme la foudre ou même la boule de neige ou la boule de feu d'ailleurs qui recule également. Beaucoup de sorts qui reset. Mais après c'est capable de tuer, ouais c'est dur en vrai parce que ça peut tuer des petits tanks, genre comme le chevalier, mais c'est vrai que contre des troupes de zone et comme on en parlait juste avant, avec les sorts on aime bien faire de la value et là avec ce sort là on sait pas dans quelle situation tu vas faire de la value quoi. Ouais bah le poison est vraiment fort pour ça quoi, pour avoir une bonne zone. Oula attends. On va essayer ça. Ah bah t'as moins pété le shield, let's go. Ouais. Ça a pas vraiment de buzz quand même avec tout le respect. Je voulais que le sorcier tape plus loin quand même. Ah oui, c'est. Ah oui, c'est. On passe devant. Si, oh, ça... Non. Si ça clique. Tu défends comment le brother? T'inquiète, mon ref. Regarde, BAM! Du coup, on sait pas trop ce que ça fait, mais on tente. Hein. Oh? Ah oui, mais en vrai, le push de Zorza, il a mis tous les sorts. J'ai tout envoyé là, t'as vu avec PK là? Ah ouais, ah t'as vu le gameplay, tu vois en des ladder, foudres, tu vois Dapevo, tu vois le Clash Royale les gars, c'est devenu quelque chose. Aïe aïe aïe. Ok. T'as kiffé ou pas mon push là? Ouais j'ai pas tout compris mais why not hein. Bon, je comprends rien non plus. Attends, si je touche la tour, ça split les dégâts du coup? Ouais ça touche aussi un peu la tour. C'est de la merde, ouais c'est bien ce qui me semblait. Bien renseigné. Ok. Ouais, ça gratte un petit peu. Ouais, ça gratte, oui, la tour, quoi. Et ça fait beaucoup de dégâts que sur la tour ou pas? Genre, si je fais ça. J'avoue que j'ai plus les stats en tête. Ouais. Ouais, bon, on a fini. Ça fait vos grades plus, quoi, avec mon respect. Le ouais, juste pour pas dire que la carte pue la merde, mais on le pense, quoi. Ah, c'est super. Non, par contre, le sorcier Evo dans le poison, là, j'aime bien. Ça c'est vraiment fort hein. Okay. Et en vrai là sur le... Attends, c'est là ton stone, ça fait quoi là? Ouais. Ouais. Allez. Nice, ok. Oh, sur les barbares. Ah oui j'ai tout tanké avec les barbares du coup. Ah oui ça c'est vraiment de la... On a mis des gros dégâts là dis donc là. T'as bien gratté mon petit ref, hésite pas à refaire la même chose. Hésite putain. Pas vraiment. Ça fait plaisir là. On va poison ça nous. Putain. On est pas convaincu pour l'instant en rien. Ouais c'est chaud hein. Attends on va essayer de faire comme ça un petit combo genre tard 2003. What? En vrai? OMG ça a tué un bomber. Trop fort. Nice, rang pour 2, let's go équipe. Let's go. Ouais là en vrai on n'arrive pas trop à trouver le potentiel de la carte. On va pas se mentir que là sur cette première game il est envoyé dans le vide quoi, mais c'est de gros potentiel hein. C'est pas exceptionnel, on va pas se mentir. Donc le sorcier vaut dans le poison, ça c'est vachement intéressant. En fait finalement on refait une vidéo sur le sorcier vaut les potes en merde putain, à chaque fois je fais l'erreur de prendre la tour avec. What? Attends.
Oh non, ça a tué. FF. Cette game est perdue. Attendez, peut-être pas. Le poison. Le poison avec le void. Le void. Le void de fou. Je comprends plus rien, les gars. Gros, il y a des sortes de... Arrête, gros, il y a des sortes de partout. Arrêtez. Non mais c'est quoi ce jeu, frère? Gros, je comprends rien. Le brain mental, frérot, il y avait cimetière, void, poison. En vrai, avec cimetière, c'est peut-être la seule... Ah, je sais pas, en vrai. Bah, ouais, et encore, parce que le problème, tu vois, c'est que si le mec, mais je sais pas, imagine-nous, hein, bon, personne défend à haut niveau cimetière avec armée de squelettes, ça tue même pas les squelettes, c'est assez nul, toi. Tu vois ce que je veux dire? Vaut mieux jouer des flèches, tu vois, la rigueur. Parce que là, non. Alors toi, t'avais essayé de remplacer le gros sort avec, j'avoue. Moi, j'étais plus parti, les potes, dans l'idée, pour l'instant, bon, après, c'est encore une fois, c'est une phase de test, remplacer par les flèches par ce sort-là, mais le problème, c'est que vu que ça tue pas les petites troupes, bah ça tue ni les grosses troupes, ni les petites troupes, c'est pas... Bah, ça peut tuer pas... quelque chose. Ah, j'aurais dû... Ah, en vrai, 3x3 sur la princesse, ça aurait pu ne pas être déconnant. Ouais, ouais. Ouais, j'aurais pu 3x3 dessus, j'avoue. Oh, attendez, en vrai OMG. Ah bah yes. Un zap, ouais, ou un ouais, plus. Ouais, pas mal, ouais. Avec des flèches ou une bulle, je le tue, le feu à gobelin, donc finalement... Pourquoi Ah ouais, pour l'instant, je le ouais. Quoi. Pas convaincu. Oh, sur une mais pompe bon. T'as testé sur la pompe? Non, mais j'avoue que sur la pompe, je pense que ça peut... Bon, ça doit faire mal en vrai. Hein. Bah si tu touches pas la tour. Ouais, bah, je pense que ça la tue entièrement. Hein. C'est vrai que même sur un bâtiment tout seul, en vrai, tu sais, pourquoi pas, genre. Une T2 ou un truc comme ça. Oh, attendez, regardez. Bam. Waouh, une foot défensive ouais. Sur un mineur, let's go. Ouais, c'est ça, c'est une foot miniature, mais... Un peu j'aime chelou, trop. Genre. Oui, attendez, j'ai un pour def. Eh, hey, parce que j'ai un sort qui coûte 3 mais qui tue pas des gobelins. T'as les one-shot même ah, pas, frère. C'est pas mal, hein. J'aime bien. 3 gobelins, ça les one-shot pas. Ah merde. Oh, t'es un forceur. Ah, t'aimes bien quand je joue comme ça. Hein. Regarde, hop, juste à faire ça, ça. Nice. Hop. Ah ouais, nice. Ça descend. Ah ici ça def mon gars, appelle-moi là, Riley. Là c'est finito hein. Attention parce que là j'ai le sort de la muerte là. Comment tu vas faire là hein? Et en vrai je suis dans la merde, je crois avoir premier degré. En but j'ai pas la... Regarde. Ah merde. Ah ouais bah j'ai fait de la merde frère, j'ai niqué tout buzz. MG, je tente un truc. Ouais. Ouais, mais je comprends rien. Il me fait trop stresser en fait, une foot pour 3 d'élixir, il me fait trop stresser. Putain. Oh, le sort de merde. Pardon. Non, très bonne nouvelle carte. Ouais, ouais. Voilà, très sens, très bonne sacrément... carte. Hop. Oh bah y'a plus de tour. Ah, let's go. Ah. Sacrément flopesque. Du coup, il a joué à la place de la bûche. Ouais. Ouais. Why not, si why je not. Fais ça. Oh, le bâtard, il a pré shot. En vrai? Oh, t'es what? Ça wesh. What? Toi. Je t'avais dit quoi, frère? Le séisme. C'est un séisme 2.0. Oh, le buzz. What the fuck. Oh, la what Tesla la... qui s'est fait... Elle s'est fait ouvrir en deux, la pauvre. Elle s'est fait Tesla, là. Boom. Wesh, mes chefs. Non. Let's non go. T'aurais pu te pré-shot, ouais. Hein. Ouais, c'est vrai, mais je pense que t'es le premier joueur au monde à finir une tour avec le Void. Bien joué à toi. Attends, mais c'est incroyable là. Par contre, c'est incroyable. On gros, a peut-être trouvé l'utilité première. Mais du coup, s'il n'y a pas de bâtiment en face. Et bah, c'est. Bah, pour moi, ça, c'est un séisme en mieux. Parce que du coup, tu peux l'utiliser quand même pour d'autres trucs. Ouais, c'est vrai. Ah putain, dans un cochon séisme. Ah putain, il faudrait qu'on essaye. Ouais, ouais. Bah, en vrai, de vrai, là, les potes, on va. Parce qu'on a encore d'autres decks préparés. On va continuer, peut-être que... Ouais, je pense que je préparerai un cochon 6 pour après. Là, je vais relancer avec un autre deck. Mais c'est vrai. Vas-y. Que c'est pas con ce que tu viens de dire, en vrai de vrai. C'est vrai que là, finalement, franchement, là, bâtiment, on a trouvé une bonne utilité. Hein. Genre, ouais. Ça va pas être un sort mainstream, tu vois, comme le séisme. Mais ouais, dans certains cas... Surtout en CRL aussi, tu sais, dans des formats où il y a format ouais, duel, etc. Où ils n'ont pas le droit de répéter les cartes, ça peut vraiment être très très intéressant. Hein. Après avoir les potes, dans tous les cas on fait des tests, la première game vous avez regardez, vu, on est hop. En mode c'est pas ouf. Ah oui, ouais chef. Ah, ouais, j'ai...
Ouah, ça fait tellement mal. Bon, après, j'ai en vrai, c'est trop fort. En vrai, de vrai, là, je commence à changer d'avis, là. Oui, les potes, c'est à la force de tester, hein. C'est à la force de tester. Premièrement, on est en mode, c'est quoi ce truc de merde? Et là, finalement, on est peut-être en mode ouais, bon. C'est pour ça qu'il faut tester entre pro player. Tu vois, faut pas toucher la tour, par contre, ça, faut oublier. Hein. Ouais, mais là, j'ai tué le bombardier. J'ai tué le bombardier. Merde, je miss. Ouais, qui s'est foutu là? Là, c'était pour le bombardier aussi. Merde, putain, le con. J'ai pris shot sur côté gauche. Ah, mais les dégâts, de... ça met les mêmes 3 dégâts ou pas sur les 3 tics? Ouais, il me semble que oui, hein, sur, je pense. Hein. J'avoue que c'est pas dit ça dans les stats de la carte. Bon, il dit que c'est 500 dégâts, je crois, au niveau 11, quand il y a qu'une seule troupe, mais. Genre là, oh, ça pourrait être cool de ça. Hein. Le buzz. Regardez. Wesh! C'est incroyable, hein! Oh, les dégâts, j'ai, quand même. J'ai un petit problème, c'est qu'il est pas assez grand, moi j'ai trop l'habitude des flèches. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu petit, donc faut voir. Tu vois, si tu peux faire ça, frérot, ça va faire un petit carnage, hein! Ouais, c'est vrai, putain, mais c'est vrai que la Tesla est où? J'en reviens toujours pas en fait du. Vraiment, gros, la Tesla, fait... j'étais pas prêt, tu m'as lâché une foudre, frérot! Pour 3 Delex en plus, donc ça coûte vraiment pas cher, tu vois, donc. Ouais. Il est pré-shot là? Ah non! Mais, hop là! C'est pas mal hein! Ouais, surtout que derrière ça, hop! Ouais, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Après, si tu grades pas la tour du coup. Ouais, bah ça c'est un problème de deck, c'est une autre histoire ça encore. Ok. What? Ah, je sais pas si je peux faire quelque chose non. Ouais, pas de buzz, je pense, contre les gardants. Ouais, on va juste faire ça. Ah, t'as rajouté l'esprit parce que. Tu savais que t'étais dans la merde. Ouais, ouais. Ah, ouais, ça a bien fonctionné, hein. Ok. Mais pour le moment, je remonte, hein. C'est vrai. Ah, tu veux trop tout pré-shot là. Gros, c'est... Oh, ça change tellement de choses. What the fuck. Je l'ai one-shot. Ouais, mais c'est exceptionnel, frère. Il coûte 5, allô. Oh la vache. C'est ah, exceptionnel. Mode, c'est bon, c'est... Ah, j'avoue que je m'attendais pas à ce que ça le one-shot, hein, pour le coup. Merde, derrière. Bam. Hein. J'aime et trop. Chef, le push à 47. J'aime trop, les gars, j'aime trop, j'aime trop. Ok, on va partir comme ça. Ouais, ok. What? Oh mais frérot, il sort en attaque. Voilà, c'est fast ça déjà. Comment tu m'as envoyé la sauce là? Gros, j'ai tout mis. Chibi tornade, le poison, le sort. Ouais, je te jure. Hein. Ok, nice. Oh, ça garde pas assez ça. Ok, ok, les gars, y a moyen oh, de faire quelque chose. Ouh, c'est peut-être flopesque là. Ouh, c'est peut-être flopesque. Ah, mais le bombardier, le sorcier vaut, pardon. Ok, ok. Ah! Allez! Allez! Ok, ça passe. Putain, j'étais dessus. Ouais, la tornade fait trop mal en fait. Ouais, la bataille de sort là. La bataille de sort. Mais en vrai, c'est pas mal hein, ce que t'avais fait là avec le sort. Du coup, vraiment, ne pas focus la tour, il focus que les troupes quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment ce réflexe là qu'il va falloir s'enlever de la tête. Oh, c'est trop intéressant. Ouais, parce que là, c'est très surprenant. En fait, je m'y attendais jamais. Tu vois, quand t'as remonté la game et que t'as vraiment pris que la Tesla, je t'en vas putain, mais en fait, il a pris la tour avec 48. Et c'est bon. En fait, non, ah, ça fait quand même 150. Hein, ça fait plus que des flèches sur la tour en solo. Single target crown tower. Ouais, c'est avec ces 3 coups. Non, en vrai, je sais pas parce que attends, c'est 40. Non, c'est par coup, je pense. Hein. Ah oui, ouais, je vois. Ok, ouais, il faudrait calculer. En vrai, il faudrait calculer sur capté, la prochaine game qu'on regarde, ouais. Ouais. Bon, j'ai encore un deck de prêt. Et puis après, si on pourra faire une dernière game avec un autre deck. Parce que vas-y. Du coup, avec des dexismes, ça peut être intéressant, effectivement. Ouais, il faudrait voir du coup avec un sort directement sur la tour. Un petit deck arty avec ça, là. Oh putain, le cauchemar. Surtout que l'artir va ralentir saison prochaine dans hein, les trucs là.
Oh non, t'es un gamin aussi, toi. T'aimes trop ça. Ah, écoute. Ah, ça va, sorcier contre le molos. Ouais, ça va de ouf, là. Ça, je veux vraiment tester cette interaction. Ah, c'est pas ouais, mal. C'est le one-shot, hein. Ça one-shot. Ouais, c'est quand même exceptionnel. Ça, c'est quand même vraiment pas mal pour le coup. Et pourquoi ça me remet les tours canons encore, putain. Ça fait deux vidéos que je me fais baisser. C'est vrai que ça fait une fois quand même. Oh, j'en ai marre là, redonnez-moi les tours du chess. Oh, c'est faux parce que. Oh, l'esprit, oh, l'esprit. Oh, oh non. Wow, on voit qu'il est parti. Oh, c'est incroyable les pré-shots que tu peux faire du coup. Ouais, dès que tu mets une petite troupe dedans, genre ça réduit les dégâts de fou. Parce que du coup, les potes, c'est vraiment genre. Quand il y a une seule troupe, ça met énormément de dégâts. Quand il y en a deux, de 2 à 4, ça met moins. Et dès qu'il y en a plus de 4, ça peut vraiment tout changer. Quoi. Bah, même 2 à 4, vous avez vu ça direct, c'est. C'est vite réduit, quoi. Bah, c'est divisé par 2, non? Je sais plus. Ouais, au moins. Ouais, au moins. J'avoue que les plus là, les potes, on n'a pas encore tous les stats en tête, c'est normal, c'est logique. Ouais, on est vraiment en mode on a Terrycraft vite fait des decks et on teste sur le terrain. C'est ça. Qu'il n'y a rien de tel. C'est ça, c'est ça. Exactement. Ouais, okay. Mais comment je vais pouvoir faire pour faire ça là? Hop là! Hop là! J'aime trop faire ça! Chef! Allez, 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 allez! Mais oh non! Oh, oui. Oh la vache, ok. Ah oui, c'était bien tenté! Ouais, l'idée était bonne. L'idée était très je voulais bait sur le dernier tick et en fait, bah, ouais. Je suis fait bait moi-même quoi. Et dans l'idée, c'était pas mal. Dans l'idée, c'était pas mal. Ok, j'ai. Putain! Aïe! Ok. Ok, on va faire ça. What, le sorcier? Ouais, what? Chef. Il a one shot tous les roquets de lave. Ah, je m'y attendais pas, j'avoue. Ok. Ouais, tu vas juste mettre le sort, ouais, c'était bien joué ça. Ouais, si je l'avais pas fait, c'était encore mieux. Oh là 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 là, c'est exceptionnel. Ouais, non, là, malheureusement. Avec le sorcier. En vrai, sorcier, il casse les couilles. Oh, le sorcier sous shield, frérot, j'ai cru qu'un truc là. Ah, j'ai cru qu'un truc, les gars. Oh là 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 là, let's go. Bien joué. Attends, il prend sa revanche, hein, parce que hier, c'était. Ah, je kiffe trop là, les deux nouvelles cartes au max là. On détrouve pas d'interaction. Ouais, le sorcier, ça fait trop plaisir. Ah, c'est pas mal, hein. Le fait que vraiment ça tue un D2 tout seul. Surtout, tu vois, dans des decks comme ça, molos, tu vois, t'as pas de quoi vraiment. Même le ballon, je crois. Ouais, je crois ballon, ça one-shot le ballon, ça one-shot... En fait, ça one-shot tout ce qui est one-shotable par une foudre. Ouais, et il faut dire que voilà, toutes ces troupes-là, enfin, ces decks-là, tu peux pas rajouter rapidement. Tu vois, là, toi, t'avais essayé de protéger le squelette. Moi, avec ça, je peux pas. Je peux pas rajouter une carte rapidement pour protéger le sort. Donc, ouais, c'est assez intéressant. Ouais, en vrai, les potes, on va essayer de faire un dernier deck. On va essayer de faire un petit dernier deck pour tester tout ça. On arrive. Allez, on est parti, du coup, les potes, hein, dans cette nouvelle game. On a préparé des petits decks. Donc, moi, je suis parti sur Cochon 6, sans le 6. Et Lemon, toi, t'as pris un deck pompe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour tester un petit peu ce que ça donne. Oh, j'ai très peur. Mais... Tu veux pas lâcher le buzz du bombardier, mon ref. Hein. Ah non, je l'aime trop. Ah, t'as pas le. What? Oh là 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 là, les gars, c'est quoi ce chicken? Ouais, les potes, on a compris. Du coup, on a fait des calculs là dans notre coin, et enfin, juste avant de relancer la game. Et en fait, ça met 500 dégâts de plus qu'une foudre si ça tape qu'une seule troupe. Parce que la foudre c'est 1000 dégâts niveau 11 et le void du coup c'est 1500 puisque c'est 3 ticks. Attends, c'est quand même assez. Bien, hein. Je sais comment. Oh ouais. T'as kiffé ou pas là? La petite def, hein. Ma pupus. Par contre, l'artie aussi elle te kiffe, je crois. Ouais, du coup, la pompe contre ce genre de deck. Oh, mais c'est sûr que genre les Yann, Momo et tout ça va jouer cochon void, hein. T'es sûr, bah, à 100%. Ouais, il y a vraiment moyen que, ouais. En vrai, il va y avoir des decks, mais j'ai hâte de voir parce qu'en vrai, c'est toujours pareil, les potes. Hein. C'est une nouvelle carte, donc il va falloir attendre que les meilleurs joueurs cook. Parce que nous, bon, on peut potentiellement commencer à réfléchir, mais c'est quand même un peu complexe. Ah oh, le pré-shot. J'aime trop. J'aime trop. Les gars, j'aime trop. Ça a quand même mis midlife en vrai. Hein.
Ouais, j'avoue, hein. Alors ça qu'avec les chauves-souris, tout. Les gars, le point après shot, quand même, j'ai pris des risques, là. Et là, si je fais ça... Ah, dommage. Ah, ouais. Ouais, ah, ça peut du fond d'un cochon, je pense. Ah, mais ça met tellement de dégâts. Ouais, avec esprit glace, peut-être, là. Incroyable. Merde. Oh, j'ai fait l'op de fou, là. Qu'est-ce que je fous? What? Oh, je le rends. What? Bam! Non! Allez, Allez, regardez! Putain, je voulais protéger avec les gobelins, mais sauf que j'ai des réflexes ouais, de papy. Si ça vit, hein. Ok, ok. Oh là là, elle se fait tellement détruire. Ah ouais, ah ouais. Ok. Ah, c'est chaud, hein. Eh ouais. Ouais, ouais. Tu fais quoi là? Quoi tu... C'est quoi ce level? Ah, ok, brother. Ah. Moins drôle là, d'un coup là, beaucoup moins drôle. Bizarrement, on rigole plus quoi. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot là. Oh, j'ai pas dit mon dernier mot, frérot, t'avais oublié ça, hein. Attends. Oh putain, non, frère, t'es un gamin. Tu l'avais oublié celle-là, hein, avec le shield en plus. Tu l'avais oublié celle-là, mon gars. Allez, ah, ok. Oh, la def de fou. Le push. Oh, tu l'avais oublié, ça. La def de fou. Ok, je prends quand même t'arrives. Gros, là ça s'envoie là. Là, ça c'est oh, du putain, vrai gameplay là. Comme je l'aime. Ok. Ah ouais, le void encore oh, une putain, fois. Oh putain, la D hein. Là. Attends, mais ça tue quand même, hein. Elle a quand même tué, hein. Il y a eu des petits flops, les gars. Ça arrive. Le fait que ça one shot à sorcier, quand même, c'est assez fou, hein. Ouais. Et en vrai, ça va quand même. Ça va. Ah, tu vas faire le gamin, voilà. Oh, je le touche, mais. Oh! Ok. Oh, le gamin. Ok. On tente des trucs, hein. On tente des trucs, frérot. Non, mais moi, à chaque fois, il se. Non, mais moi, mon void, à chaque fois, il me troll. Non, mais ok. Ok. Franchement, beaucoup plus fort que ce que je pensais, le void. Ça fait plaisir. Ouais. Hein. En vrai, les potes, vraiment, je vous assure, on a regardé au début, on était en mode putain, ça pue sa mère, on sait pas dans quoi ça va être joué. Quand on a compris que quand il y a 5 troupes dedans, ça allait pas one-shot un squelette, t'es en mode bon, ça, c'est un peu chelou quand même. Mm. Pour un sort à 3 qui one-shot pas un squelette, mais. Vous voyez, à la force de jeu, on a compris que là, sur des grosses troupes, même sur des bâtiments et même sur la pompe, bah ça peut être vachement intéressant. Et même, tu as vu, sur les placements, il faut réfléchir quand même. Tu vois, il faut réfléchir. Et toi, tu peux potentiellement, si tu as de quoi counter le sort, rajouter des trucs dans le sort pour. Ouais, bah, va y avoir énormément de pré-shot avec ça, de potentiel de pré-shot, de mind game et tout. Ça va être super imagine intéressant sur à voir. Une pompe, tu mets le void et d'un coup, t'as une armée de squelettes qui spawn, t'es en mode ah. Ouais, bah, un peu comme tout à l'heure, hein, quand j'ai tenté avec la Night Witch et tout. Ouais, ça va être trop bien. Non, ça va. Là franchement les potes au début j'étais pas ouf et là je suis en mode putain je suis hype et j'ai envie que le truc il sorte et que je teste de mon côté parce que là franchement ça m'a hypé. Et bah écoute, merci à toi Lemon de m'avoir accompagné pour ce test. En vrai hâte avec de tester plaisir. Ça quand ça sortira. Et dans tous les cas, que ce soit sur ma chaîne ou sur celle de Lemon, hein, vous l'aurez en description d'ailleurs, vous pourrez nous retrouver pour des vidéos sur ce sort là. On va essayer de créer des choses je pense et puis on le testera en stream dans notre coin dans tous les cas. Voili voilou. Ouais. Bah n'hésitez pas les potes, un petit abonnement, le petit pouce bleu ça fait plaisir, merci encore une fois Lemon, et puis à plus tard, ciao ciao tout le monde. Ciao ciao les gars.